Grégoire Solotareff, ne m'appelez plus jamais mon petit lapin. Il était une fois un petit lapin que tout le monde appelait mon petit lapin. Ce n'était pas son véritable nom. Il s'appelait en réalité Jean Carotte. Jean ne comprenait pas pourquoi les grands, qui avaient des noms normaux comme le sien, l'appelaient mon petit lapin. Il alla voir son grand-père, avec qui il parlait toujours de choses importantes. Son grand-père lui expliqua que les gens l'appelaient « mon petit lapin » parce qu'ils le trouvaient gentil et mignon, que pour la plupart des gens, les petits lapins étaient des animaux adorables et que plus tard, quand ils seraient plus grands, on l'appellerait simplement « mon lapin ». Un jour, on dit à Jean qu'il avait grandi, mais pas autant que les autres lapins. D'ailleurs, quand il se promenait en ville ou dans les bois, on l'appelait toujours « mon petit lapin ». Le comble, c'était lorsque les lapins l'appelaient « mon petit lapin ». Mais ils se disaient qu'ils en avaient peut-être le droit parce qu'ils étaient grands, eux, et que les grands ont le droit de faire et de dire ce qu'ils veulent. C'était son père qui lui avait dit ça. Jean était triste. Il n'avait aucun copain. Il se dit « Premièrement, je suis petit. Bon. Deuxièmement, je suis un lapin. Bon. Pour que les gens cessent de m'appeler mon petit lapin, je vais devenir le pire des lapins qu'on ait jamais vu nulle part. Ils seront bien obligés de ne plus m'appeler comme ça. » Il commença à faire des grimaces aux mamans lapins en écrasant par terre les bonbons qu'elles lui donnaient. Puis, il vola des carottes aux étalages. Cela devait, de toute façon, mal finir. Un jour, il attaqua une banque. Armé d'un vrai pistolet, d'un arc et de flèches, d'un poignard très pointu et d'une épée, il menaça tout le monde. Il dit « Que personne ne bouge ! Haut les mains ! Vous êtes prisonniers !» Le directeur de la banque fut obligé de lui donner tout l'argent qu'il gardait dans ses coffres et dut malheureusement téléphoner à la police. Jean n'en avait rien à faire de cet argent, bien sûr. D'ailleurs, il ne l'emporta même pas. Il était venu seulement pour faire peur aux gens. Mais il entendit des sirènes et s'enfuit à toute vitesse. « Le voilà !» crièrent les policiers lancés à sa poursuite. Il y eut une longue, longue course dans la forêt, puis dans la plaine, puis dans la forêt à nouveau, une course terrible. Au moment où un des policiers toucha son ski, Jean sentit un grand frisson dans le dos et s'évanouit dans la neige. Quand il se réveilla, il était en prison. Les policiers lui avaient pris ses armes. Il était seul, dans le noir. De grosses larmes se mirent à couler. « Ne pleure pas comme ça !» dit un petit lapin surgissant dans le rayon de lumière. « Salut, je m'appelle Jim Raddy, car j'adore les radis. Et toi ?»« Jean. Jean Carotte. » »« Drôle de nom. Tiens, mange ce biscuit et raconte-moi pourquoi ils t'ont attrapé. » Jean ne put rien avaler et raconta toute son histoire, jusqu'au moment où un policier avait touché son ski à l'arrière et où il s'était évanoui. Jim l'écoutait attentivement. « Ne t'en fais pas !» dit Jim. « On va sortir de là, j'ai un plan !» Quand Jean se mit debout, il se rendit compte que Jim était encore beaucoup plus petit que lui et se mit à rire, sans pouvoir s'arrêter. Jim, qui avait un bon caractère, se mit à rire aussi. Quand ils eurent fini de rire, Jean demanda « Et toi, pourquoi ils t'ont mis en prison ?»« Parce que j'ai tué un chasseur !» dit Jim. « Tu es un chasseur? Mais c'est horrible ça !»« Mais non, ce n'est pas horrible. Si je ne le tuais pas, c'est lui qui allait me tuer. Alors ?»« Ah bon ?» dit Jean. « Et pourquoi faire ?»« Mais pour me manger. Qu'est-ce que tu crois, mon petit lapin ?» Jean éclata de rire. Un lapin encore bien plus petit que lui l'appelait « mon petit lapin ». C'était trop fort. « Fais attention à toi !» dit Jean.
parce que moi, je vais t'appeler mon petit chou. Et les lapins mangent les petits choux. » Jim sauta sur le lit et se mit en position d'attaque. Mais il savait bien que Jean ne le mangerait pas. Les lapins ne mangent jamais les autres lapins. Pour sortir de leur prison, Jean et Jim creusèrent un tunnel. Après tout, c'est un peu leur spécialité. Dès qu'ils furent à l'extérieur, les deux petits lapins se prirent par la main et coururent à toutes jambes vers la forêt. Une fois hors de danger, Jean et Jim décidèrent de ne plus jamais se séparer. Ils décidèrent ensuite d'aller chez le grand-père de Jean, car ils avaient faim et froid. « Regarde comme je suis plus grand que lui !» dit Jean à son grand-père. Jim Raddy riait. Il s'en fichait d'être le plus petit. Le vieux lapin les cacha dans un terrier introuvable, très haut dans la montagne, où les policiers ne vont jamais. Il leur apporta de la nourriture, des couvertures, du chocolat, des chewing-gums et un grand journal du soir sur lequel était inscrit en grosses lettres noires et en première page « Grande évasion de deux petits lapins ». Jean et Jim se mirent à rire, car ils savaient très bien lire. Sur les autres pages du journal, on ne parlait pas d'eux. Ils restèrent très très longtemps cachés. Ils sont d'ailleurs encore là-haut, dans la montagne, et le grand-père de Jean vient souvent les voir. Un jour, ils sortiront de leur cachette quand les policiers auront oublié cette histoire.